Clochette de retour. Cette fois-ci, on va aller découper une image que l'on a scannée, imprimée et découpée. Alors, je mets une page blanche. Je vais aller chercher dans mon fichier la numérisation. Je lance la numérisation. J'attends un petit peu. Et je numérise. Pendant ce temps-là, je reviens. Parce que petite précision, la version 64 bits ne s'installe pas, enfin le scanner n'est pas reconnu par la version 64 bits. Voilà. La précision, il fallait la dire. Voilà, ma poupette apparaît sur ma feuille blanche. Alors maintenant, je vais sélectionner la zone de vectorisation, le contour. Ah, je vois que j'ai pas tout pris au-dessus. Je vais prendre la poignée, tirer un petit peu. Et passer le seuil à 90. Vous allez voir tout de suite que il y aura plus de jaune, ce sera un petit peu plus long parce qu'il y a plus de pixels à traiter, mais ça marchera mieux. Voilà, vectoriser, détacher. Je vais ensuite prendre ma feuille blanche et voilà, je la glisse sur le côté. Voilà, ma poupette apparaît. Si je passe le trait en rouge, vous allez voir que la découpe se fera tout autour du dessin. Alors maintenant, je vais faire un copier-coller. Avant, je vais aller mettre les repères de découpe qui seront imprimés. J'active les repères de découpe. Ça, je vais pouvoir imprimer et découper. Je prends la poupette, CTRL-C, CTRL-V. Elle va se positionner en dessous. Je la glisse en dessous. Du coup, eh bien, j'ai mon repère de découpe aussi, enfin ma découpe qui se fera autour. Mais je veux la découpe en noir. Donc, je vais aller dans Contour. Je vais passer le contour à 1 mm. J'applique 1 mm, j'applique, voilà, ça se resserre tout autour et je vais le passer en noir. Il faudra bien faire attention quand on découpera de supprimer le premier trait rouge, autrement ça va découper et le noir et le rouge. Donc ça, c'est à voir au moment de la découpe. Voilà, à bientôt.